Salut à tous, c'est Swanton, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Survive the Night. Alors, je me suis fait une petite étagère. Alors, je sais pas pourquoi ça a tendance à bouger en fait quand on pose des trucs sur l'étagère. Ça tient pas en place, c'est étrange. Mais bon, après c'est pas très grave en soi. J'ai rangé toute la voiture, je me suis récupéré juste l'essence, des clous et le jerrycan. Voilà. L'essence, le jerrycan, c'est la même chose. Il va falloir qu'on aille chercher un petit peu de bois. Je vais prendre un arbre ou deux, je pense, et ça sera pas trop mal. Voilà. Alors, j'ai vidé la voiture. Voilà. Je vais ranger tout ça dedans. Pas ça, ça, voilà, au moins ça. Je me suis préparé de la bouffe. Voilà, avec la nourriture pour chien, on a 10% de chance d'être malade. Alors moi, ça m'intéresse pas plus que ça. Du coup, je la mangerai qu'en cas de force majeure. Ok, je vais me faire l'arbre là, vite fait. Ouais, ou celui-là, d'ailleurs. Et je reviens vers vous juste après. Ok, voilà, j'attaque la dernière bûche. Et voilà, j'ai 3 bûches sur moi. On va se faire... Ah, attendez, on va essayer l'atelier. Rapidement. Alors, atelier. On va se faire du bois. Ah non, ça nous en fait pas plus, mais ça le fait quasiment instantanément. Ah, du coup, là, elle a pas bougé, c'est carrément cool. Je vais me prendre le marteau, vite fait. Alors, quand vous avez trop d'armes, c'est un peu chiant. Ça, on peut réparer, vite fait. Voilà. Ça aussi. Logiquement, il n'y a pas de horde ce soir. Donc, tomorrow, c'est bon. Ah, si je me... mal tout seul. Ok. Ah, deux fois. Donc, sur moi, j'ai un 44 Magnum, une petite Winchester, une hache, un marteau, une pelle, la molette, la pierre aiguisée, au cas où on trouverait une arme assez intéressante. Voilà, des pansements et des trousses de premier secours, un peu d'eau, la bouffe, et on va pouvoir y aller. On va se recharger ça. Et là, on va tenter le poste de police. On va aller voir. Alors, normalement, j'ai pris tout ce que j'avais besoin. Les disjoncteurs, l'essence, le bois au cas où, les clous au cas où. Et je pense qu'on est bien. Du coup, bah, c'est parti. Alors, normalement, ici, il y a déjà un générateur. Et on est censé pouvoir l'ouvrir. Je vais juste virer le petit point. Et les 2-3 mecs qui sont là. Waouh. Ouais, si l'appel casse, c'est pas très grave. Alors ouais, oui, ici... Genre, on peut pas ouvrir. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Et qu'est-ce qu'on a ici? Pas l'air d'avoir grand chose. Ok. Papier en carton, ouais. On va le prendre. Pire, on va boire un coup. Chut. Ok, alors toutes les portes sont fermées. Est-ce qu'il y a du monde dedans? Ouais, il y a du monde dedans. Ok. Oh, il m'a fait peur. Je m'attendais pas à voir du monde. Alors, on va fermer ici. Ok,
Ok, y a rien, y a rien. Papier en carton, ok. On a rien. Et là, papier en carton, évidemment. Je l'ai pas fouillé, lui. Ok. Calmez-vous. Voilà, je vais refermer ça vite fait. Voilà. Ils sont énervés, les mecs. Ici, on n'a rien. Là, qu'est-ce qu'on a? Ah, il faut l'électricité, voilà. On ne peut pas rentrer là-dedans si on ne met pas l'électricité. Et bon, si on met l'électricité, toutes les portes vont s'ouvrir, je pense. C'est même à peu près sûr, c'est pour ça qu'il y a... Ah, il n'y a pas du monde partout. Ok. Alors. Oh, c'est quoi ça? Couteau. Un filtre long. Graines d'herbe. Ok. Là-dedans, on n'a rien. Ah, il y a même une porte ici. Ciseaux à métaux. Ça hurle de partout. Voilà, donc c'est un générateur. Il faut juste de l'essence, en fait, dedans. Ok. Ah non, il faut une rallonge électrique. Ah, dommage. Je l'ai pas. Et il faut les disjoncteurs. Ok, il faut 5 disjoncteurs, une rallonge électrique et de l'essence. Ce qui est dommage, c'est que... J'ai oublié la rallonge électrique. Oh, c'est tellement bruyant, ce truc. Alors, on a dit 5 disjoncteurs. Voilà. De l'essence. Et c'est tout. Et la rallonge électrique. On va essayer de trouver un endroit... Là, il y a bien un truc électrique ici. Je peux pas sortir par là? Ok. Ouais. Tout a normalement un système électrique, donc... Ah, là. Rallonge ou pas? Oh yes! Excellent! Bah voilà. Il y a même un toit et tout. Oh, en fait, c'est archi grand comme bâtiment. Ok, c'est parti. Alors, on va se faire... Piège. Non, blueprint. Voilà. Je vais en faire 2, je pense. Voilà. Je vais en mettre un là. En espérant qu'il passe... Ah, putain. Moi, tranquille, quoi. C'est bon, est-ce que... Est-ce que j'ai le temps, du coup? Ok, normalement, il passe pas. Oh, lui. Bon, on va se prendre un petit pansement. Voilà. Ok, j'en ai crafté qu'un. C'est étrange. Ah, j'ai peut-être fermé l'inventaire. Ok. C'est pas grave. Et on va se mettre le deuxième ici, histoire d'être tranquille. Mais je crois que le corps du zombie me gêne. Ah non, le corps du zombie me gêne pas, en fait. Alors, hop, on va se mettre ça ici. Ouais, je pense que là, on est pas trop mal protégé. Allez. Ça a l'air blindé. Bon, ça c'est bon. Ici, on peut se mettre la rallonge. Ici, oh, je vais mettre... Allez, je vais en mettre 10. Voilà, c'est parti. Alors, normalement, on peut ouvrir cette porte. Dehors, électricité requise. Voilà. Oh, le tam que ça fait. Hop, ok. Ok,
C'est full balle l'endroit. Ok, là-dedans on a rien. Hop, ça on peut pas le récup, dommage. Ok. Ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Et ça, on n'a plus rien. Ok, bon bah ça c'est fait déjà. Ici on est déjà venu. Bon, il n'y a plus qu'à aller voir là-haut. Ah, ils sont là les petits pépères. Wouah, tout ce qu'il y a. Monster kill. Bon, je crois que j'en ai tué deux ou trois d'un coup là. J'ai plus de munitions. Oh, vous sortez d'où vous? Oh, 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 oh. Calme-toi. Allez, merde. Oh, je suis pas... J'ai pas du kill sans zombie, ça m'étonnerait. On va recharger ça quand même. Bon, je vais aller voir là-haut. Wow! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y en a encore! Allez, merde! Wow. Faudrait que j'arrive à me recharger un peu. On va manger ça vite fait. Et là-dedans on n'a rien. Ah yes. Papier en carton. Oh, j'avais pas vu, c'est quoi ça? Oh, des piles. Et boum, level 8. Oh, c'est vachement grand en fait. Waouh. Kit de verrouillage, ça c'est bon ça. Oh, l'endu c'est pas bon. Est-ce que je peux refermer? Yes. Au pire, on va se prendre déjà un pansement. Ah, j'espère qu'ils vont pas repop les mecs. Par contre. Oh, ils ont ouvert. Ok. On va recharger ça aussi, j'ai plein de balles. Ah, le bruit que ça fait, c'est génial. Ok, ici, bah, on n'a rien de spécial. Ah, carte de la prison. Ah yes, c'est des sortes de petits donjons en fait. Ok, excellent. Bien. Bien. Oh, j'aime pas ça quand ça court. Voilà, laisse-moi tranquille. Hop hop hop. Il
Là, on n'est pas venu. Il n'y a rien. Non, c'est l'endu qui est chaud là. Putain, il y a encore... Oh, une batte. Une hache, très bien. Rien d'autre? Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui. On n'a pas grand-chose. Ok, bon, ici ça servait pas à grand chose. Allez, continuons. C'est où l'endroit où on pouvait descendre là tout à l'heure? Ah, c'est ici. Oh, ça a l'air stylé là. Courpage. Ça va être chaud. Ok. Putain, c'est l'endu que ça va pas du tout. Je vais me poser 2 secondes. Ok, endu revenu ou presque. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh putain, c'est énorme le bâtiment. Je m'attendais pas du tout à ça. Oh, calme-toi toi. Je vais aller voir ce qu'il y a là-dedans. Oh, une canette vide. Une porte fermée pour une canette vide. Les gars. Ouais. C'est ici qu'il faut la carte, non? Un alternateur, une scie à métaux, un jerrycan. Hop. H. Merde. Ok. Combien les types? Oh, j'aurais dû mettre. Non! Ouais, du coup, j'aurais dû mettre une petite barricade devant la porte. C'est pas grave, on retentera à l'endroit. Par contre, j'étais en train de me dire, vu qu'on a passé des levels, il y a de fortes chances qu'on ait... Ah, la grille du feu de camp, putain, voilà, allez, donc je pense qu'on peut le faire. Et boum. Voilà. En vrai, je pourrais peut-être me le faire, le feu de camp, en plus de... Genre, par là. Et voilà. Une belle grille de feu de camp. Et je pense que là-dessus, on peut poser la marmite et se faire des trucs du genre le ramen, peut-être, sûrement. Bon, la prochaine fois, Bon, j'irai chercher mon sac. Ouais, je sais même pas si je vais pouvoir aller chercher mon sac. Ah non, il faut que je réouvre le truc. Bon, on verra ça plus tard, c'est pas très grave. Mais la prochaine fois, on va se faire le gros bâtiment, là. J'arrive pas à placer de... Voilà, c'est le supermarché. Il y a quand même, normalement, logiquement, pas mal de trucs. Mais je savais pas du tout que c'était une sorte de donjon, cet endroit-là. Donc ça veut dire qu'il y a plein d'endroits sur la map où c'est comme ça. L'hôpital, c'est peut-être un donjon aussi. Il y a une prison. Est-ce que c'est pas ça la carte qu'on a eue? On verra tout ça la prochaine fois. Sur ce, je vous dis à bientôt.